Alors nous continuons notre visite lors de cette première édition des jardins de plantes par récréation végétale. Et nous avons la chance d'avoir tout près de nous le propriétaire de ce stand à qui nous allons demander quelques explications sur sa façon de travailler et la raison de sa présence ici. Bonjour monsieur. Bonjour. Jean-Pierre Gouvazet de Net Partenaire. Je représente les internautes. Oui. Et grâce à monsieur Devérieux, je viens couvrir cette première édition de Jardin des Plantes. D'accord. Alors écoutez, c'est simple. Je vais vous demander qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous êtes là. Très bien, voilà. Alors donc récréation végétale, ce sont des décors végétaux faits en matière recyclée en fait. Hein. Donc c'est un mélange de papier, de carton, de fibres végétales mélangées avec du ciment que je sculpte, que je moule. Et voilà, j'en fais des petits décors suivant mon inspiration, c'est jamais les mêmes. Donc je viens moi de Saint-Genis-Laval, près de Lyon, et je suis ici pour montrer un petit peu mes créations et prendre un petit peu la vie des gens. Quoi. D'accord. Voilà. Et donc, par exemple, on va prendre... Je vais plutôt m'intéresser donc au bonsaï de 40 ans. Oui. C'est quoi ? Eh ben, c'est un bonsaï qui est mort, hélas, de sa belle mort. Et donc, j'ai décidé de pas le jeter, évidemment, et de l'utiliser, de le peindre en blanc, de lui mettre une petite résine dessus pour qu'il vive encore quelques dizaines d'années. Voilà. D'accord. Et donc, vous vendez vos œuvres. Voilà, vous avez des plantes pour l'extérieur avec des petits des joubarbes, des sédums. Vous avez tout ce qui est intérieur ici avec des plantes, des succulentes hein, pour l'intérieur bien sûr. Donc tout des pots qui sont faits pour le bonheur des plantes, hein, c'est-à-dire qui sont troués pour permettre l'évacuation de l'eau. Et donc j'ai intégré avec une petite soucoupe hein, pour que les plantes soient bien et qu'elles profitent bien. D'ailleurs, elles ont l'air d'être en bonne santé, elles sont bien contentes dans leur petit pot. Voilà. C'est formidable, c'est très bien. Ben écoutez, je vous remercie de m'avoir accueilli à l'impromptu. Je vous souhaite de bien continuer la journée de demain. Et je vous dis à bientôt. Merci monsieur, au revoir.